Fiscac, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, monsieur le directeur général, monsieur le coordinateur du projet AMEC, honorable assistance, mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Je voudrais tout d'abord vous exprimer ma très profonde satisfaction d'être avec vous à l'occasion de cet atelier d'élaboration du plan national de communication et de plaidoyer en faveur de la réforme et de la modernisation de l'état civil au Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie vivement pour votre présence et votre mobilisation pour ce grand enjeu national qu'est la refondation de notre état civil, droit de chaque citoyen, instrument pour l'avancement de l'état de droit et de facilitation de l'élaboration des politiques publiques. Je salue votre engagement, surtout dans cette période de notre mois sacré du Ramadan. Vous me permettrez de faire un point court mais indispensable rappel au sujet du projet. Projet d'appui à la modernisation de l'état civil au Congo. Ce projet est financé par la France à travers le fonds de soutien aux projets innovants et appuyé par l'UNICEF sur le plan technique. Le projet AMEC, pour rappel, poursuit les objectifs spécifiques suivants. Premièrement, moderniser et mettre en conformité aux standards internationaux le cadre d'ordre normatif de l'état civil, notamment en partant du constat que la loi du 15 mai 1984 relative à l'état civil est devenue obsolète. De procéder à une évaluation normalisée de l'état civil selon les critères du programme panafricain API-CRV-S5, programme africain pour l'amélioration accélérée des systèmes d'enregistrement des faits de statistiques de l'état civil en vue de l'établissement d'un plan national stratégique pour l'amélioration du système. Troisièmement, normaliser les procédures et les formulaires associés. Quatrièmement, sensibiliser la population aux bénéfices apportés par l'état civil. Cinquièmement, former les officiers d'état civil et les personnels communaux. L'unité de gestion du projet AMEC a fait procéder avec l'appui d'un consultant international aguerri et de deux consultants nationaux à une évaluation normalisée du système d'état civil de l'Union des Comores en déployant des évaluateurs qui se sont rendus dans tous les centres d'état civil et les formations sanitaires et autres hôpitaux sur l'étendue du territoire national. Le rapport d'évaluation qui en a résulté constitue une véritable photographie transversale de notre état civil. La partie recommandation du dit rapport a constitué le socle du plan stratégique budgétisé pour la refondation de l'état civil au Congo. L'analyse des dysfonctionnements, lacunes et faiblesses du cadre normatif de notre système d'état civil a fondé, se basant sur les observations et les rapports de l'évaluation normalisée, un processus ayant abouti à un projet de loi actuellement soumis aux autorités gouvernementales pour la refondation de l'état civil au Congo. Dans ce cadre, il est fondamental de réaliser une action rigoureuse et ordonnée de communication, sensibilisation, plaidoyer afin de dégager un consensus national, une compréhension rationnelle de la situation et remédier à une situation qui pénalise les segments les plus défavorisés de notre population. Le présent atelier met en œuvre le souhait du ministère de l'Intérieur que l'élaboration d'un plan national de communication, sensibilisation, plaidoyer, se fasse d'une manière pleinement inclusive et participative. Je peux vous assurer du plein soutien et de la détermination du président de l'Union et de son gouvernement à œuvrer pour l'établissement d'un système d'état civil efficient, numérisé, sécurisé, conforme aux standards internationaux. Vive la coopération entre l'Union des Comores et la France, vive la coopération entre l'Union des Comores et l'UNICEF, nos deux éminents partenaires en développement. Honorable assistance, mesdames et messieurs, j'ai l'insigne honneur de déclarer ouvert cet atelier d'élaboration du plan de communication et de plaidoyer en appui à la réforme et à la modernisation de l'état civil au Congo. Je vous remercie.
quando sana nivu jibu ni holeze ze zinungu limtwao ye ye kuje hatu paro amek gabigi ze ze hazi za sua ze eta civil realisa hazi zinji kare realisa hazi namba ka kanyo evaluation normalisée yo la bwandu enda hamwa ze biro za eta civil hamwa ze ze lapitali wajue ni zendongo zendao sahusu ze eta civil ya ziyo jinika picha ya ize nungu hili ziyo kati mkumo kutoka gabu problemu zinji hamwa ye eta civil ya hata ya hapo raifanya ili husu rijari panga yu itarawo plan yi plan yu plan ya ndao hamwa ye budget yu husi ruhusu hamwa ze mazijao rijari gabidi heina problemu ya husu ye eta civil tuka hizo problemu kabu problemu ya isharia isharia 1984 mbona ka kisuru lana ni wakati liyo turuhusu zimparo ni numerization informatization kabu ze zana zibizike hamwa ze centre d'eta civil kabu wangu wangu formation ya lazimu bakari panya sharia numini ibidi wangu wajua wirumia wangu ibidi wajua wirumia ze zana wa wajua unikiwa kwa ngali kabu kwa ifanya numerization wa wangu wafikiri panufuwa kemwenji ya kwa ifanya uje ili sendugu isu pia wa mwa iplan shabu kari joka polina eta civil wangu hena mdoto irenga hedi ya yunao hedi ya nzao na kabu ma kabu ka wangu kwa suelewa kwa fanya ukusudi wasielewe ya hazirifanya o hamwa mfumo inu etaj se wangu wafikiri heli rijofanya hazi ya uheleza ebanu eta civil inu ye mana hindi ibidi mdu akane kirita se eta civil na ebanu kama za mfanyi sharia isharia ni kama za mwende ndaku ni sharia hiyo kabu rengi wangu mazwamani bali na mbali ngi wangu wafanyo hazi ya mwase administration ngi wangu wamba uka wakifaransa e société civile wangu wafikiri e plan yu wangu wangu wamba ka plan ya communication ya plaidoye tsena e plaidoye hindi wangu wa sane waelezi wajilezi kainu eta civile faida ya ena mtu yeye nuana kage gina wana Je suis un peu plus de temps. Mimi na swala husu mdhukuru eta civil na joka ya wakomori wengi e makaratasi ya mzale hani hoti leo kwa bali wakati wa misafara aka declare ni mjomba mfikiri mbele swala lini hiyo lazima ngungu ramba ka hamwa ye evaluation la rapport evaluation e vumbua wangua sana warengi hena problem paske ni le rapport hiyo ifanywa kwa Monsieur Jean-Paul à la terre, ou d'accord, ça y est, à Conseil international, j'avais deux consultants, Komori, Yokusudi, Wadji. Parce que Wakomori, Wadjuao, et là, ces problèmes, c'est toi, bien, bon, souci, Yabo, ton Dieu, Rissani, à moi. Yesharia, Nini, Rissani, Rigabi, le chef Fondoua, Ubalkano, Ibidi, État civil. Yo muhimu tukana ujuazi la kafuri ribwane fri chadi yani kabu wakati ndugu johuba kabu wangu wenji pismandura ambia sharanu mfanya pole ni jaspora ni wamba ka wangu waluna problem kabisa wangu wahe jaspora
wengi kuna problem ulagina hari nationalité ya kifaransa ugonjwa nikiwa ugonjwa nikimwana alafu wakusisiwa kiritasi za huu alafu katunikiwa asibabu kinji na subora kwa mkaa sikiritasi zao hamagi zuna shaka hamagi zuna zandrabu wakati zinji si zandrabu mimi hata hami hadisi nani azama na faransa mkaa lanu wakati zinji yote hata si lungu kasa ils sont des autres chaises sont assis là ça et ça c'est ça Guillaume hein Ibrahim a tout tué Ibrahim a mahala Ibrahim a marasaya ibu marasaya bien sûr comme par exemple ça nous a pris oui nous rabou voilà il a faut faire une ouane les tassis donc avec qui carisana ça quoi j'ai regardé et des problèmes ça quoi il paraissait baisser solution.